Bienvenue sur la chaîne de Shinebox, bien évidemment, la mienne. Ne le dites pas, Elvas, il est pas là. Ok. Si, je suis là, je sais pas comment faire. Je vais remonter, je vais faire un ascenseur. Je voulais faire, hey, mais c'est foiré. Alors, on va ouvrir le pouvoir des éléments. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ces boosters? Là, c'est le display, clairement, qui va refaire un peu la méta. On a Sprite, du coup, qui est pas la boisson. Pas la boisson, non. Du coup, voilà, c'est le nouveau display méta qui est en train de ravager. Et je pense qu'on va beaucoup en voir au championnat d'Europe. Il y a tout le monde qui en parle, hein, de vol. Voilà, tout le monde prie pour qu'il y ait la banne mystère. Oui, je pense. Mais du coup, en fait, tous les niveaux 2, ça se joue dedans, en fait. Que ça soit Melfi, que ça soit Grenouille, ou que ça soit les Evil Twins, d'ailleurs, aussi, on voit beaucoup de mélanges avec ça. Et il y a aussi une nouvelle, il y a la secrète exauceur qui s'appelle Martha. Alors, la exauceur, je veux bien. Par contre, c'est très bien avec le Melfi qui m'intéresse. Le reste, après. Gang Melfi, on est là. On est là. J'espère que tu vas avoir un peu de chance. Bon, après, la magie est quand super rare. Donc, en soi. Oui, la magie. Bon, après, on va voir, mais des fois, t'es super rare, tu galères à les avoir. J'avoue. Voilà, qu'on était acheté sur. Allez, c'est un instant tout sec. Elle dit tout, 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 tout. Ils ont été achetés sur Shinebox.fr, le site de référence pour les boosters, display, box et tout ce que vous désirez en produits bio, que ce soit beaucoup trop de choses. Allez voir le lien dans la description, le lien s'affiche en bas. On est en mode téléachat, puis on est en mode. Incroyable. Magnifique. Nanémonémon. Magnifique. J'aurais pas fait mieux. Du coup, on se les ouvre ou pas? C'est parti. Let's go. Eh ben, let's go. Chacha, tu l'as invité, tu commences. Eh ben, merci beaucoup. C'est parti. Moi, je vais ouvrir debout. Ouvre. Ouvre comme tu peux. Allez, c'est parti. Oup. Hop, c'est quoi, je vais ouvrir debout, c'est ça. Là, c'est plus simple. Alors, déjà, je vais pousser ce gros tas. Allez, let's go, c'est parti. Bon, brouillage. C'est pas gentil. Sorry. Brouillage chiffré. Attends, remonte un tout petit peu tes mains. On est là? Ouais, voilà, là, c'est nickel. Ah, c'est bon. Merli, Sprite des Pixies. Oui! Un petit il est magnifique. Franchement, c'est trop trop beau. C'est un concours. Et en fait, l'effet est plutôt pété. Si votre adversaire invoque normalement spécialement un ou plusieurs monstres, sauf Damage Dev, ou si un monstre de l'adversaire cible cette carte avec une attaque, vous pouvez renvoyer cette carte à la main. Puis vous pouvez invoquer deux monstres Melfi de noms différents. Bah ça, c'est cool, ça se pédo quoi. Voilà, et depuis le deck en plus. Donc c'est rigolo. Okay, c'est plutôt sympa. Alors, du coup, t'as une ultra. On va pas se mytho, c'est cool. C'est laquelle? Alors, c'est. Ouais, c'est colline florissante. C'est un nouvel archétype. C'est les nouvelles monstres fées des féeriques, là. Ouais, exactement. Okay. Et ça peut se jouer avec les bêtes, il me semble. Alors, question, elles sont toutes ultra ou pas? Non, pas toutes. Alors, faudrait que j'arrive à le choper aussi là parce qu'il m'intéressait pas mal aussi. Ouais, et ça se joue avec les monstres terre. Donc, ça peut peut-être combiner avec Melfi. J'avais vu des petites dingueries. Donc, du coup, on a Chevalier du stade, la plus lointaine, profonde limite. Un moqué. Joueur gadget qui est très moche et du coup on a une petite ultra, c'est très bien. Alors il y a une ultra ou une super ou la secret quoi. Ouais c'est ça, ouais. Bon. C'est ça. Hop, bah, ça c'est plutôt cool. Une ultra. On va essayer de choper maintenant la super. Moi je les ai entre les boosters. Ma foi. Alors, c'est quoi celle-là? Marqué Dogmatica fondamental. Déchirement de la. Non, à la con. Ça, pareil, mais ça, tu dis comment ça? Vénus Sylph. Ouais, Vénus Sylph. Changement de saison, c'est pour un météorologique? Non, c'est le nouvel archétype. D'accord. Que t'aimes bien. Encore un Wally, Melfi. Wally. Oh, punk. Du punk. Ouais. Et c'est une super. C'est une super rare. Donc j'ai le terrain punk. Ok. On va la mettre là. Ouais. Un nouveau choix du stand. T'as dit stat. Écouffon morphtronique. Du connecteur des ténèbres. Et une autre. Oh, il y a de nouvelles attractions. Ouais, okay, ça c'est cool. Attends, on va faire comme les youtubeurs pros, on va les mettre. On va faire le ta caca. Et le ta qui brille. Voilà, le ta qui brille. C'est parti. Allez, you continue. Allez, let's go. C'est parti. Ok, j'ai su. Professionnel. Je me suis fait chier dessus, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Ouais. Oh, Pini. Alors lui, il est trop mignon. Ah ouais, il est trop mignon. Tu peux invoquer spécialement cette carte depuis la main, puis immédiatement, pour résoudre cet effet, invoquer par synchronisation un monstre synchrone utilisant uniquement cette carte que vous contrôlez et des monstres Melfi dans ta main. Tu fais une synchro de la main. Ça, c'est cool. C'est pour ça que. Mais la synchro Melfi a chopé aussi. Hein. Oui, oui, bah elle est en commune, donc bon, ça devrait le faire. Ah ouais, les communes aussi, on s'en fout. Ouais, ouais. Oh, oui, yes. Alors, voyez pas, mais je suis dans la victoire Fortnite. Ouais, incroyable. Bah voilà, la plus mignonne des magies. Celle que je voulais. Alors, est-ce qu'elle peut se jouer en x3 d'après toi? Moi, je la jouerais au moins x3, oui. Ah oui, complètement. C'est super fort.
C'est trop trop fort. On va espérer en choper 3. Écoute, déjà, on en chope une déjà, caca, c'est déjà bien. Du caca et du caca. Voilà. Toi, les gens, ils cherchent. Ils s'en foutent total. On a eu du nouveau truc là qui est sorti, même pas encore. Non, pas encore, non. Pas encore. Pas encore, pas encore. Elles sont toutes en ultra super ou en commun? Non, il y a aussi. Non, il y a du commun. On a eu une commun au début, mais après, il y a des super. Des ultra, bien évidemment. Et les Tiermentation, ça c'est nouveau aussi ça. Ouais, c'est pas mal. C'est des waifu, c'est très joli. Vent de terreur vorace, Tiermentation, Dimension, Vague 1. Ça c'est du support pour héros, okay, élémentaire. Bah, écoute, complètement balèque. Alors je sais que ça va mettre colère certains, mais moi je ne suis pas fan de héros. Et après, oh, il est simple, elle est jolie celle-là. Ouais, elle est forte. Chaîne Gauty. Et ça, Gauty, c'est exclu TCG, me semble-t-il. Voilà, heureusement qu'on est pas en scam, je suis, mais comme un... comme un porc, il fait très chaud, on est dans le sud, il fait très chaud. J'ai refait une blague, mais je l'ai faite en début de vidéo. J'ai yes avoir la synchro, j'ai fait ça, c'est cool. Voilà, synchro, elle est là. Petite asynchro, Melfi. Ça, c'est cool. Fermentation. Regarde, sprite rouge, voilà. Fracas de sprite. Et alors, ah, petite quoi, super rare, alors c'est compte des créatures de l'empereur Tanuki. Donc ça c'est pour le compte aussi pas alors pas du tout, c'est une carte vraiment random. Ok, donc c'est un mode, c'est nul, allez tu peux la mettre là. Voilà, elle sert à rien, bon pff, si ça peut être rigolo mais voilà, elle sert pas à grand chose. Ah il y a du Rika, ouais, Rika, c'est une nouvelle cool. Rika, donc ça c'est cool. On m'a dit qu'elle était vraiment pas mal et qu'elle faisait... Je te la mets de côté ou pas ou tu trieras après? Ouais, je trierai, t'en fais pas. C'est bon, on parfait. On a juste les brillantes histoires de flex. Let's go. Pour l'instant, on part une ultra. Ça pue la merde. On a quand même... Je crois que le 13ème booster que vous voyez là, il va peut-être être ouvert. C'est fort possible. Hop, alors. Création. Ah, il y a du jet de glace aussi. Ok, ouais. Du jet de glace. Tiermentation. Ouais. T'aimes beaucoup de tiermentation. Sur fusion de héros, pareil pour Neos. Fusion de. Oh. Disséminé. Donc pareil, c'est la super pour héros, ça, non? C'est un chevalier gemme. Chevalier gemme, oui, ça revient en force. On remerciera Master Duel. Bah, tant mieux. Chaîne voilà. Gauty, bon, après, voilà. Oh, du sushi, ok. Ouais, et sushi, c'est bien. Ah, j'en ai fait un pour le fun, c'est rigolo à jouer. Oui, honnêtement, c'est du X6 qui va très vite. C'est du X6 qui tape. C'est du X6 qui tape. Après, bon, je trouve que c'est un peu la roue libre. Ouais. C'est un peu le deck roue libre. Vivement le deck McDo. On a hâte. Le deck burger. Rigole, mais après, il y a un deck cuisine que j'attends avec impatience. Oh, c'est quoi? Joli. Ouais, c'est une secrète. Ça, c'est cool. Divin incarné. Ouais, et elle vaut une trentaine d'euros, mon pote. Donc comment ça c'est va. Cool. Couvenina, c'est super beau. Alors, c'est Kurikara, divin incarné. Elle se joue dans quoi? Alors, c'est une elfe, déjà, donc ça, c'est plutôt cool, et je te lis les faits. Alors, invocable, uniquement invocable spécialement depuis votre main, sacrifiant tous les monstres face recto sur le terrain qui ont activé leur effet ce tour dans la zone monstre de votre adversaire. Gagne 1500 d'attaque pour chaque monstre sacrifié pour invoquer spécialement cette carte depuis votre end phase. Vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire et tu invoques spécialement sur le terrain. C'est rigolo. C'est rigolo et du coup elle va être rangée immédiatement dans le petit classeur qu'on a vu dans les chaînes box. Voilà, effectivement. Tu vois, voilà, voilà. Chaînebox.fr et le site de... Attends, tu galères, attends, je te... On sait jamais. Allez hop. On est en mode ouverture à l'arrache. Hein, voilà, bien, je te mettrai une sleeve quand même, bichette. Mais bon, voilà. Ah oh, d'accord. Lui il s'en fout, il s'en balèque. Mais donc ouais, moi c'est plutôt cool, une secrète, nickel. Et si là je sors la star, non. Non, ça serait vraiment bien. Mais c'est une très bonne carte. Moi aussi je l'ai eu dans mon ouverture, ça fait plutôt plaisir. Elle valait une vingtaine d'euros, donc elle a bon, ça augmenté. Pour une vingtaine. Ah, elle a dû augmenter. Du dogma, du sprite, ça y est, du rouge. Marqué, voyage chiffré. Oh, joli. Tiermentation, la petite super. Elle est jolie. Franchement, ouais, les tiermentations sont très jolies. Jolie. Encore du Rika, terreur de surracine, moqué et du caca. Une synchro que personne ne jouera. Carrément. Là, clairement ouais. Personne. Allez, c'est parti. On se moque. Mais... Après, Minocéros est revenu alors que c'était une synchro caca. Je sais plus pour quel deck, mais. Oui. Oh, du sprite encore, de la sprite carotte. De la... Oui, je comprends pas. Ok, du rouge. Je comprends pas le truc. Ouais, exactement. Alors là, il y a une super, c'est Écapote des Flammes. Voilà. Le pote des... Ah, alors, mais là, ils sont cherchés, on a les potes. Les potes. Pote des Flammes, ouais. Ouais. Rien après de... Rien de fou. Rien de folichon. Je pense qu'on va peut-être ouvrir le 13ème. Le 13ème. On a quand même eu la secrète. On hein. a quand même une secrète. Hein. T'es un peu pioché au hasard dans le disque. Mais est-ce qu'on tenterait pas la 13ème pour. Vu qu'on a la secrète, c'est-à-dire que la luck est déjà tombée donc. Mais, je fermentation, jet de glace, dogma. Et attention. Oh, sprite du bleu. 90 euros. Là, tu peux aller me chercher une cible, s'il te plaît, Chacha. Let's go. Allez.
c'est parti là. C'est mieux que la Starline, non? Ah non, bah c'est 90 euros. Mais c'est celle qui est le plus recherchée pour. Oui, là, ouais. Je la mets en vente, dans 2 minutes elle part quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et là, voilà. Go. On va peut-être recommander une display sur Shenbox pour le faire. Ah voilà. Bah écoutez, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je la mets sous double sleeve. Est-ce voilà. qu'elle va rentrer après là-dedans hein. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on avait. Oh, j'avais un truc qui traînait. Ah, c'est ce que j'avais acheté à un mec. Putain, je savais plus où je les avais mis. Mais oui, il y a un Régulus et tout ça qui traîne mais là-dedans. Mais oui, mais t'as un Régulus, mais t'as... tu chattes trop, toi, en fait. C'est abusé. C'est vrai que t'as joué à Régulus. Les cocus. À la deux. N'écoutez pas la fin de vidéo. C'est pas trop loin. Ah, bah écoutez, ça chatte. Pas avec double Attends, on enlève la double sleeve alors. Allez hop, c'est parti. Bah, juste une sleeve, elle est là-dedans. Moi, incroyable. Ben voilà, le display de la grosse chatte, voilà. Tu vas voir, tiens. Ce display que j'ai failli ouvrir. Attends, incroyable. C'est qui c'est moi qui viens d'ouvrir. C'est toi qui viens d'ouvrir. Les autres cartes, on les a déjà foutues dans le tas de poubelles. Oui, tiens, bah oui. Tu veux continuer ta luck? Non, vas-y. Allez, c'est bon, c'est parti. Et la secrète quand même, non? J'ai eu la première secrète, ouais. Et toi, t'as eu la plus chère, 90 balles. C'est parti. C'est pas normal qu'il y ait deux secrètes, ça. Si, c'est normal. Ouais, t'as deux secrètes là, il y a plus de secrètes là. Oh, bah, ok, j'en ai ouvert deux. On a dragon aux grandes défenses. Voilà, c'est un dragon. Ouais, bah, c'est cool. Un voilà, on a un petit dragon, on a Wally, ouais, un bateau sushi et deux trucs moches. On va passer mytho. Donc là, du coup, là, t'as niqué tout le ratio. T'as deux secrètes. Donc là, dans une secrète. S'il y en a une troisième. Mais là, tu peux avoir encore. Il y a trois ultras dispo, du coup. Vente terreur vorace, sursaut du sprite, sur Freddy. Oh, ça, c'est cool. Oh, elle est jolie. Bah ça c'est dans le conte de fées par exemple. Ouais, 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 Coral 2, ouais, trop mignon. J'ai pas eu beaucoup de contes de fées, je suis un peu triste. Vernus. Bah, de toute façon, je pourrais s'acheter avec tu la pourras. Secrète. Ah, tu pourras. Ok, oui. Bon, il y a beaucoup de caca. Moi, ce que je te propose, c'est que tu m'ouvres ce 13ème booster. Oh, allez, on va voir s'il y a l'ultra qui tombe. Chat, dans les commentaires, écrivez tous Charon en force. Ah, s'il vous plaît, Charon en force, s'il vous plaît, ça me donnera deux. Là. Force. Si c'est... Non. Je me tue pas. Non plus. Allez, c'est parti. Oui. Oh, ah, tu vois. Ouais, on a bien fait de l'ouvrir. On a bien fait de l'ouvrir. Ok. Ok, ok. Oh, c'est coup, joli ça, très joli. C'est trop beau, Pink, en vrai. Bah, elles sont jolies, mais après le deck ne m'intéresse pas, mais elles sont jolies. C'est très joli. Eh ben écoutez, une petite punk à la collec. Bah c'est pas dégueu, heureusement que... Et on a voilà. Ouvert pour Pini. Bah oui, pour Pini. Voilà, le petit rescapé. Bah, voilà. Bon, on va faire le au revoir hors cam, parce que je vous jure que là, on est mort. C'est le bordel. Je suis voilà, en âge, moi. C'est le bordel, juste on un a petit eu récap. Quelques petites... Bah quand même pas mal de super sympas, mais moi, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse. C'est celle-ci. Coucou Yami Red, parce que je sais qu'il a peur de cette carte. Elle est incroyable. Elle est trop drôle. Elle est incroyable. Boum. Donc voilà. Et voilà. Surtout, montre-la. On a le eu sprite bleu. Le sprite bleu, ainsi c'est que... Encore avant. Putain, on flex, là. Comment t'as rendu ça? Et celle-ci, du coup, également. Du coup, display fort rentable. Carrément. Fort rentable, monsieur. Franchement, très cool. En fait, non, j'ai bien fait de pas acheter la display. Ouais. Mais du coup, elle était plus que rentable. Super. On espère que ça vous a plu. Bah ouais. Au ouais. Plaisir. On vous dit à bientôt. Et n'oubliez pas le pouce bleu, vous abonner, tout y quanti, vous connaissez la chanson. Bisous à tous. Ciao, ciao.